Salut tout le monde, Samuel Lejon, on se retrouve pour un nouveau Wix vidéo et aujourd'hui au programme, c'est un peu toujours la même chose, nous avons au programme tournage, le débat sur le rétro que j'ai pu balancer la semaine dernière, on va balancer un nouveau débat toujours sur plus ou moins le rétro mais c'est plus sur les jeux vidéo en général, donc c'est dématérialisation ou pas, et enfin on va reparler rapidement de Mario Squash, j'ai quelques détails à vous donner avant qu'il y ait plus de détails encore une fois parce qu'on s'approche à grands pas de la date. Et il y a quelques petites choses à dire. Donc tout de suite, on va commencer par le programme. Alors ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas de programme et cette semaine ne changera pas. Je balance toujours pas de programme tout simplement parce que j'arrive toujours pas à retrouver une certaine motivation pour tourner certaines vidéos en fait. J'avais envie cette semaine de tourner Kirby. Le problème c'est que entre le voisin qui fait des trous, mais c'est hallucinant le bruit que ça fait parce que j'ai même enregistré un truc sur mon téléphone parce que faut que je lui fasse écouter au gars parce que c'est quand même incroyable. L'autre jour il avait percé un trou. Avec la perceuse à béton, donc c'est le truc. Viens, tu t'entends pas parler. Et pendant 3 minutes non-stop, 3 minutes non-stop, il était en train de faire son trou. Donc, je suppose que le gars qui fait ses trous ne sait pas du tout bricoler parce que, entre les journées entières où on entend la perceuse et les coups de marteau, et entre la perceuse à béton qui dure 3 minutes, faut quand même y aller. Alors, les coups de marteau, tu peux peut-être comprendre si le mec il fait son carrelage ou s'il retire un carrelage, ça peut se comprendre, mais. Bon, au bout d'un moment, tu vois, t'as la tête comme ça, et je ne peux pas trouver de temps pour tourner mes vidéos. Le soir, quand les heures sont passées pour faire les travaux, je pourrais tourner. Le problème, c'est que le soir, c'est soit je stream, soit je joue avec Wix et Wotan, soit je tourne avec d'autres personnes pour d'autres projets, soit finalement, bah, je peux pas vraiment parce que bah, Dark Boop dort dans la pièce juste derrière, et je ne peux pas parler aussi fort que je l'aimerais. Donc, j'évite de tourner le soir, en tout cas, le plus possible. Alors, en général, les vidéos que je tourne le soir, ce sont les vidéos Minecraft où je peux parler en mode posé, pas obligé de gueuler, je parle en mode, voilà, je fais ci, je fais ça, blablabla. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Comme je disais, j'avais la motivation de tourner du Kirby cette semaine et finalement, je n'ai pas trouvé du temps pour tourner du Kirby. Hélas. J'ai réussi à trouver du temps, par contre, pour tourner le hack de Super Mario 64 Ocarina of Time. Le seul problème, c'est que j'ai tourné 2 épisodes et après, plus rien. Et c'est les épisodes qui sont sortis cette semaine, justement. Minecraft, j'arrive toujours à trouver un peu de temps pour tourner, mais en ce moment, je suis plus en mode je joue, je me détends plutôt que tourner. Et bah, j'espère vraiment que dans les jours qui vont arriver, la motivation va revenir et bah, les vidéos pourront ressortir. Je vous ai déjà expliqué lors d'un précédent Wix vidéo pourquoi la motivation n'est pas là en ce moment. Rien à voir avec vous, tout est à voir avec moi, malheureusement. Donc, ça, on peut pas y faire grand chose. Donc, on verra ce qui se passera avec le temps. Mais quoi qu'il en soit, j'essaye de faire le maximum dans ce que je peux. Je me force pas, attention. Ça, c'est quelque chose d'assez important à souligner. Je ne me forcerai jamais à tourner des vidéos, donc je ne me force pas. Je me forcerai à tourner des vidéos, vous aurez votre programme tous les jours. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème, parce que j'arriverai quand même à tourner le soir, etc. Mais là, voilà. Donc, cette semaine, ce sera surprise. Je vais quand même essayer de sortir les épisodes de Spirit Tracks de Dark Boop, parce que c'est vrai qu'elle, elle les a déjà... Waouh, c'était dur à dire ça. Tourné il y a un moment et elle me les a déjà donné, donc j'ai juste à les uploader, à mettre la miniature et tout ça et tout ça. Donc bon, je vais essayer de balancer ça normalement mardi, samedi en règle générale. Bref, donc pour ce qui est de programme tournage, bah c'est tout en fait. Alors le débat que j'ai lancé la semaine dernière sur les consoles rétro, est-ce que vous y jouez sur console rétro ou alors sur émulateur, voici le graphique. Vous avez été 266 à répondre, 98 personnes ont répondu émulateur, 97 ont répondu je ne joue pas aux jeux rétro, et 71 ont répondu console d'origine. Donc, comme on peut voir au niveau du graphique, c'est quand même très, c'est presque égal à égal entre émulateur et les personnes qui ne jouent pas aux jeux rétro. Et après le reste, c'est les personnes qui jouent sur les consoles d'origine. Alors j'aurais pu mettre dans le choix les deux, c'est-à-dire et émulateur et console rétro. Enfin, console d'origine plutôt, pour la simple et bonne raison que bah, j'ai eu quelques commentaires qui me disaient exactement que les personnes jouaient au rétro sur leur console d'origine quand ils pouvaient. Si par exemple la personne veut jouer par exemple à un Metal Gear Solid sur PlayStation, s'il n'a plus le jeu alors qu'il l'avait étant sa jeunesse, ou alors s'il n'a plus la console mais qu'il a toujours le jeu, il y a toujours les émulateurs pour ça. Alors si je devais donner mon point de vue personnel, moi je préfère jouer aux jeux rétro sur les consoles d'origine. C'est compliqué parce que je joue énormément aussi sur émulateur, je vais pas vous mentir. Je préfère de très loin jouer sur les consoles d'origine, de très très loin. Mais le truc c'est que là actuellement sur mes installations,
Je peux pas réinstaller de console rétro, c'est trop le bordel. Il faudrait que je me réinstalle une table qui repasse derrière. Et là, je pourrais mettre mes consoles, ou alors que j'allonge la table par là-bas et je pourrais installer mes consoles rétro et du coup, je pourrais y jouer tranquillement. Mais actuellement, déjà pour être franc, actuellement, je ne joue plus vraiment aux jeux rétro. Enfin, j'aime bien ressortir un jeu rétro de temps en temps, mais j'y joue pas tant que ça. Et quand j'y joue, en règle générale, c'est sur émulateur. Mais de base, il faut quand même le souligner, c'est important. Si vous voulez jouer sur émulateur, il faut posséder le jeu d'origine et faut que ce soit, faut que ce soit, oui c'est ça, faut que ce soit. Attends, waouh, c'est difficile de parler français ces temps-ci, c'est compliqué avec la réforme de l'orthographe et tout. Moi, je suis perdu. Je vais parler comme des kékés, je vais parler comme de la merde. C'est qu'est-ce que je dis, d'accord? Bon, très bien. Ce que je disais, c'est que normalement, faut que ce soit vous qui retiriez le jeu, en tout cas qui exportez le jeu sur votre PC pour pouvoir y jouer. C'est normalement comme ça que ça se passe légalement. Alors évidemment, il y en a beaucoup qui téléchargent les ROM. Moi, je suis le premier à en télécharger. En règle générale, je fais attention aux ROM que je télécharge. Et je télécharge généralement les jeux que j'ai déjà. Ou des jeux que j'ai déjà eus. Mais actuellement, les seuls jeux que je joue en ce moment, en tout cas ce qui concerne le rétro, c'est les hacks de Super Mario World ou alors les hacks de Super Mario 64. Enfin, des hacks ou des fangames. Donc voilà. Et justement, il y a des personnes qui m'ont dit dans les commentaires que ils réservent les émulateurs pour les hacks ou les fangames, tout simplement. Et le reste des jeux, donc les jeux officiels, ils y jouent sur les consoles d'origine. Moi, actuellement, j'ai aucun problème pour avoir les consoles d'origine. Alors, on les voit pas tellement, mais j'ai les Super Nintendo là. J'ai les NES de ce côté-là. Là-bas, j'ai la Nintendo 64, je crois. C'est ça, la Nintendo 64. La Wii, la Wii U. Il y a d'autres consoles là-haut. Donc, en ce qui concerne les consoles rétro, moi, personnellement, j'ai pas trop de soucis. D'ailleurs, la seule console Nintendo que je n'ai pas, tu me diras, il y en a d'autres qui sont sortis entre-temps, donc ce sera compliqué. Je crois que la New 3DS, ou une connerie comme ça, enfin la... Ah, je sais plus comment elle s'appelle celle-là. Bref, je suis complètement à la masse au niveau de l'actualité aussi, vous l'aurez pu remarquer. Mais il y a une console que je n'ai pas et que j'aimerais bien avoir, enfin il y en a même plusieurs. C'est la 64 Dual Disc. Donc c'est un accessoire que tu branches sur Nintendo 64 qui te permet de mettre des disquettes. Et d'ailleurs, est-ce que je l'ai ici? Ouais, je l'ai ici, ne bougez pas. Hop là. On a par exemple F-Zero Expansion Kit. Donc vous voyez, c'est un jeu Nintendo 64 DD. Je vois même pas le retour de la caméra. Bonjour, c'est moi, voilà. Nintendo 64 DD, donc ça va sur cette console-là. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des disques. Voilà, c'est une disquette que tu insères comme ça dans l'accessoire. Et qu'est-ce que c'est que l'expansion kit? En fait, vous mettez le jeu d'origine F-Zero, donc évidemment japonais parce que c'est l'expansion japonaise. Vous installez l'expansion kit et avec ça, je sais pas si on peut le voir derrière, mais vous allez pouvoir fabriquer vos véhicules et vos circuits, ce qui n'est de base pas possible sur le jeu d'origine. Donc ça, Nintendo 64 DD, c'est une console que j'aimerais bien avoir, sauf que c'est 600 boules minimum quasiment pour avoir un set complet, quasiment neuf ou en tout cas en boîte, parce que je les préfère en boîte. Il y a celle-là, il y a la Game Boy Pocket aussi. Est-ce que tu as la Game Boy? La Game Boy... Non, c'est pas la Game Boy Pocket, c'est la Game... Oh, je sais plus. Je crois que c'est la Game Boy Light. Est-ce que tu as la Game Boy Pocket, et la Game Boy Light, justement, te permet d'avoir une Game Boy Pocket, mais rétro-éclairée. Tu peux y jouer dans la nuit. Un peu comme les Game Boy Advance SP, parce que tu avais la Game Boy Advance, en forme de longue comme ça, la console, qui était très bien. Et quand il y a la Game Boy Advance SP qui est, sor... SP, pardon, qui est sortie, avec un clapet, alors ça le clapet c'était accessoire, mais c'était très pratique pour emporter sa console. Elle était rétro-éclairée, ça c'était magique quoi. Donc ouais, la Game Boy Light, je ne l'ai pas. C'est une console exclusive japonaise, je crois. Je ne crois pas qu'elle soit sortie chez nous ni aux États-Unis. Mais il y a celle-là, il y a aussi la... Tu me diras, je suis en train d'y penser. Plus je parle, là, plus je me dis qu'en fin de compte, il m'en manque pas mal des consoles. Mais bon, voilà. Personnellement, j'y reviens. Je préfère jouer aux jeux rétro sur console d'origine. Mais en ce moment, j'y joue sur émulateur parce que je ne peux pas faire autrement. C'est tout pour ce débat. On va lancer un nouveau débat maintenant. Alors, ça va partir plus dans la collectionnite parce que j'aimerais vous poser la question sur vos jeux vidéo. Est-ce que vous préférez avoir vos jeux en dématérialisé ou en boîte physique? Personnellement, j'ai pas besoin d'y répondre, hein. Mais j'y répondrai quand même la semaine dernière. Je joue dans le passé, moi. La semaine prochaine. Donc, à vous d'y répondre maintenant dans le petit i là-haut. Et enfin, pour terminer ce Wix vidéo pas très long, nous allons reparler de Mario's Quest. Donc samedi dernier, j'ai pu, donc hier, samedi dernier, on a eu un rendez-vous avec Darkbook pour une association
pour représenter cette association en fin de compte, donc défendre leur couleur pour récupérer de l'argent et leur donner à la fin des 48 heures. Ça s'est très bien passé et on est en bonne voie pour avoir justement un partenaire, cette fameuse association. Pour l'instant, je vous en dis pas plus parce qu'on attend vraiment la réponse définitive qui devrait arriver cette semaine ou alors lundi de la semaine prochaine, où on aura les logos, les vidéos à pouvoir vous présenter, à diffuser pendant le live. Mais sachez que ça avance en grande pompe, j'ai envie de dire. Et une fois que je vais recevoir tous les logos, moi je vais pouvoir finaliser le trailer que j'ai fait, parce qu'il est terminé le trailer, j'ai juste à insérer les informations dans le trailer maintenant. Et vous aurez une belle vidéo d'un trailer, j'espère, qui vous plaira. Et notez encore une fois les dates, hein, ce sera la... juillet 3e, non pas 3e, c'est le 13, 14 et 15 juillet le live qu'on va faire. 13, 14, 15, notez ces dates. De toute façon, je vous le répéterai jamais assez au cours des vidéos que je vous parlerai de Mario's Quest, parce que après le trailer, il y aura probablement des vidéos où je vais vous parler du Mario's Quest, des choses à faire, etc. Parce qu'on partagera également un Discord qui deviendra public. On a également le Twitter. Encore une fois, dans la description, vous pouvez toujours suivre le Twitter, parce que là-bas, je balancerai toutes les infos également nécessaires. Et c'est principalement via Twitter que je balancerai les informations. Je ne sais pas si on fera un Facebook, il faut que j'en parle avec l'équipe, mais... personnellement, si on fait un Facebook, il faudra qu'on trouve quelqu'un qui s'occupe du Facebook, parce que moi personnellement j'y vais plus sur Facebook et je m'en occupe même plus, parce que Facebook, voilà, j'y vais plus, point. Donc si on décide de faire quand même une page Facebook, on verra si on trouve quelqu'un qui voudra la gérer. Bref, on verra tout ça. En tout cas, c'était les petites informations que j'avais envie de vous donner sur Mario's Quest. Ça avance bien et j'espère vraiment, enfin en tout cas j'ai vraiment hâte d'être à ces 48 heures de live, parce que ça va être la pure folie. Et j'espère vraiment que vous serez nombreux, et nombreux également à partager cet événement qui sera pour la bonne cause, tout simplement. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne semaine. Désolé encore une fois pour le programme. Je sais que je ne devrais pas m'excuser, mais c'est plus fort que moi. Désolé pour le programme. J'espère que les vidéos sortiront quand même. En attendant, portez-vous bien et à bientôt. Bye.